exploite les moyens du bord dans le Nouveau Monde. C'est le seul moyen de survivre. Thank you.
vent blanc. Beau travail. Félicitations. Qu'est-ce qu'ils nous veulent tous? Sacrée performance. Mon grand-père m'a tout raconté, personne ne t'arrivera, je fais ma parole. C'est-à-dire que tu as accompli à toi tout seul toutes ces missions de la commission, tu es vraiment unique en ton genre. Continue comme ça et bien en fait tu n'as pas pour continuer, il n'y a plus rien à étudier. Et quoi est-ce que tu vas occuper tes journées? Je sais pas. Impressionnant. Chasseur, bravo, je suis impressionné. La commission a de la chance d'avoir un chasseur de ton calibre dans ses rangs. Tu aurais quelques astuces à m'apprendre, j'espère que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec toi. Il paraît que tu as terminé la quête Les Vents Blancs du Nouveau Monde, chasseur. Ouais, bravo! Je savais que t'étais fort, mais pas à ce point-là. Difficile d'imaginer qu'on est arrivé sur le même bateau, je peux frotter ton bras pour tes chances. En tout bien honneur, ouais, bien sûr. Ouais. Le monde veut nous voir. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit sourire? Comment? Tu as terminé tous les contrats disponibles? J'en crois pas mes yeux! Monde Bigorno, tu vas me faire chavirer d'admiration. Respire un bon coup avant de partir à Étoile de Saphir. C'est le seul endroit qui rappelle l'odeur de la maison. Ouais, non mais là après ça je peux rien faire. Putain. C'est la classe. Tu es vraiment phénoménal, tu mérites d'être dans le journal. Non seulement tu as fini les études proposées par la commission, mais tu es venu à bout de machins super secrets et super difficiles. Ah, je vais me poser là et t'admirer. C'est ça, je vais t'admirer. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, l'ami? Absolument rien. Allez, salut. Beau travail, chasseur. Eh, ça suffit comme ça, quoi. Tu veux bien me lever le pied sur le boulot de terrain? Ouais. Tu te rends compte du surcroît de boulot que les assistants doivent abattre par ta faute? On se tue à la tâche. Crac, tu as entendu ça? C'est le bruit de mes os broyés par tout le boulot supplémentaire que tu déverses sur moi. Aïe. Il paraît que tu as terminé des investigations particulièrement ardues. Oh, fantastique, c'est le genre de nouvelles qui me réveille, vois-tu? J'espère que les joyaux que je t'ai fabriqués t'ont été utiles. Pas du tout. Alors, que puis-je te préparer, étoile de saphir, hein? Absolument rien non plus. Eh, c'est vrai que tu as terminé la quête levant du mon père. Bien joué! C'est incroyable, pas étonnant qu'ils aient regardé le départ du bateau pour être sûr que tu nous accompagnes. Avec toi, pour soutenir la commission, la commission n'a rien à craindre. Continuons à faire d'Astera un lieu où il est bon vivre, où il fait bon vivre, d'accord? Oui. Sortir. Bonjour, j'ai appris la grande nouvelle. Tu as fini toutes les études. Beau oui. Travail, chasseur. Qu'est-ce que tu cherches à nous voler la vedette? Tu ne sais pas que c'est mauvais pour la santé de bosser autant. Et allez, je te fais marcher. Mon cœur est rempli d'admiration. Bravo, chasseur. Les vents de la 5e flotte continuent à nous pousser dans la bonne direction. Vous avez fait de l'excellent travail, oui, de l'excellent travail. Alors voyons voir ces résultats. Aucun rapport, allez, dégage. Partout les engrenages. Le monde est infiniment moins rasoir depuis que tu as débarqué ici. Allez, étoile de saphir, crache le morceau, raconte un peu ce que tu as découvert. Absolument rien. Waouh, t'es incroyable. Lisez-moi ça, la 5e flotte ne plaisante pas, dis donc. Tu crois que tu pourrais employer tes incroyables talents pour remplir d'autres quêtes de l'intendance? Habile comme tu es, ça devrait être du gâteau, non? Allez, ne m'oblige pas de supplier. Ouais, blablabla, pas important. Pendant que j'y pense... J'ai ici une lettre du biologiste que tu as secouru. Merci d'avoir fait dégarpir ce gir... Giratodus, grâce à toi, plus rien ne m'empêche de poursuivre mes recherches. C'était il y a longtemps. On dit que tu te consacres désormais à la capture des monstres. Tout le monde est ravi de voir le progrès de nos recherches. Je sais que je te vois rarement, mais je tenais à te féliciter pour la dernière investigation. Continue sur cette voie. Voilà, c'est félicitations. Tout. Toutes mes félicitations. Le moins qu'on puisse le dire, c'est que tu as accompli un exploit exceptionnel. Que les choses soient claires entre nous, mes recherches sont tout pour moi. Mais je n'arrive à rien si tu me fais esquinter le portrait. Ton bien-être prime donc sur tout le reste. Enfin, disons qu'il arrive en deuxième place. Il va falloir fêter ça. À présent, dis-moi que tu es sûr de n'avoir rien cassé. Parfait, alors fais ton s'alignement.
Après tout, tu as fait le bon travail, mais tâche de faire attention à toi, tu veux? Pense à nous autres, pauvres chercheurs. Très bien, parlons. Non. Excellent travail. Oh là là, par où commencer? Hein? Ah, c'est toi, désolé, je ne sais plus où donner de la tête. C'est que tu m'as tellement donné matière à étudier que je ne sais même pas par où commencer. J'ai énormément à faire. Oui. Félicitations. Son travail sur le terrain fait le bonheur des érudits. Beaucoup d'entre eux veulent aller sur place pour voir ce que tu as découvert. Quelqu'un va donc devoir les protéger. Ne t'en fais pas, la quatrième flotte va s'en charger. On verra ce qu'ils atteignent le site de recherche sain et sauf. Ouais. C'est vraiment toi. Tu es formidable, chasseur. Oui, formidable. Il paraît que tu as terminé une étude particulièrement ardue. Ce n'est pas une surprise, bien sûr, que tu as accompli toutes sortes d'exploits depuis qu'on t'en est arrivé. Tu as chassé un Toby Kadashi, oh là là, c'est vrai que c'est dur, les ornes de Thor aussi. Sans parler du Légiana et de l'Odogaron. Oh waouh. Est-ce que par hasard j'abuserai de toi? Bah. Que te fais dire d'autre que merci? Je te manquais, c'est ça? Non, pas du tout. Félicitations. Tiens, Thor, voilà, dis-moi, tu ne chantes pas, dis donc. Si le pouvait, je crois que même l'arbre millénaire te sourirait. Tu entends ce grincement? C'est sa façon à lui de te féliciter. Aïe 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 aïe. Bien joué. Hey, il paraît que t'as mérité ton titre. Tu as vu la réaction des érudits quand tu leur as apporté ces recherches? J'ai bien cru qu'ils allaient sauter au plafond. Ils vont bosser jour et nuit pour décortiquer tout ça. On dirait qu'ils ne font rien avec modération, alors. Enfin, ces bourreaux de travail ont l'air heureux. C'est déjà ça, pas vrai? Oui. Tu te souviens de quand tu as parlé à l'ancien Wyvérien et qu'il t'a dit qu'il te révélerait les secrets du Zora à celui qui se tiendrait au sommet de la Chine lointaine dans la forêt du désert? Dans la forêt et le désert? Pendant cette dernière investigation, tu as éliminé les monstres au sommet de la chaîne alimentaire dans ces deux régions, pas vrai? Du coup, est-ce que ça fait toi le prédateur ultime? Si c'est le cas, ne me dévore pas, par pitié. Et je plaisante, mais bon, sérieusement, ne me dévore pas, quoi. Il est quand même pas très serein, le mec, hein. Le commandant m'a dit ce que tu as fait. Quel exploit! C'est censé être l'une des quêtes les plus difficiles de la guilde, mais toi, tu l'as plié en deux temps trois mouvements. Oui. Tu as déjà fait l'inventaire de centaines d'armes faisant deux fois sa taille. Fais-moi signe quand tu voudras relever un vrai défi. Étoile de saphir en personne, viens voir ce que nous pouvons et prends ton temps. Ouais. Non. On va avoir à vendre, elle. Il paraît que tu as affronté tous les maîtres du nouveau monde et permis à la commission de faire progresser les études de les concernant. T'es sur le point de pour moi, c'est dire que c'est toi, le nouveau maître. Alors, étoile de saphir, que puis-je faire? Absolument rien. Non. Tout le monde doit te parler. Depuis que tu as terminé les vents blancs du Nouveau Monde, mon ami assistant de la 4ème flotte ne cesse de se plaindre. Et ça n'a rien de surprenant, nous manquons toujours d'assistants. Chacun de tes exploits l'oblige à faire des heures supplémentaires. Mais t'en fais pas, c'est de la bonne fatigue. Oh la vache, tu as fini la quête les vents blancs du Nouveau Monde. Fais voir ce que tu portes. Ah oui, quand même. Je vois. Ça te gêne pas si je regarde ton équipement? Quel joyau tu utilises? Quelle amulette? Intéressant. Oui, si tu veux. T'es bizarre, toi, tu sais, tu exploses toutes les quêtes de la commission en moins de deux. Et juste après, l'air de rien, tu pars à la cueillette aux champignons et tu te balades en travaillant des œufs. Ça doit être vrai, ce qu'on dit. Ceux qui viennent d'ici, par choix, doivent avoir une araignée au plafond. Miaou, miaou. J'ai eu, tu deviens un vrai poids lourd dans le monde des chasseurs de monstres. Enfin, de monstres. Des monstres, tu sais. J'en ai presque l'arme à l'œil quand j'entends parler de tout ce que tu fais, presque. Allez, viens, assieds-toi donc et arme-moi tes exploits, je suis sûr que tu as tout déchiré. Oui. Bon travail, chasseur. Incroyable, tu as accompli des exploits pendant que moi, je me remplissais la panse et réapprovisionnais le garde-manger du cuistot. Regarde ce que j'ai reçu, la guilde reconnaît enfin tous les efforts que je déploie pour découvrir les ingrédients du Nouveau Monde. Regarde-moi tous ces coupons, il y en a à l'appel. Tu peux être aussi jaloux qu'un chagrin, vrai, hein. Non, pas du tout. Assistante. J'ai jamais douté de toi. Et ainsi, mon partenaire a accompli l'impossible. Même la quête, les vents blancs du Nouveau Monde, n'a pas résisté aux talents de mon partenaire. Oh, te voilà, j'étais juste en train de consigner tes exploits, ça fait partie de mon rôle d'assistante. Et je trouve ça passionnant, si tu veux tout savoir, waouh. Tes exploits sont tellement sidérants que j'en ai la chair de poule, rien qu'à l'idée de les coucher sur papier. J'ai les mains moites. Quelques jours de plus et cet ouvrage s'imposera comme le plus grandiose des chroniques de chasseurs jamais écrites. Super!
Mais d'abord, à table, pas question de se mettre à écrire le ventre vide. Ah, ah, ah. Quand ? Bien joué ! Je savais que les gars de la 5ème étaient les meilleurs, mais toi, tu es vraiment au-dessus du lot. La crème de la crème. Quand j'étais gamin et que je rêvais de rejoindre la commission, j'étais... C'est comme toi que je m'imaginais chasseur. Les chasseurs. Qui sait, peut-être qu'un jour, on racontera tes aventures aux enfants. Certains porteront peut-être même ton nom. Peut-être. Très beau travail. Et voilà, donc c'était la dernière mission en mode libre. Alors on se regarde avec l'intendante. Paré pour la chasse. Allez, ok, allons-y franco donc. Si on regarde l'intendante, maintenant. Non, putain, elle me tombe le bouton en plus. Non ! C'était la dernière mission en mode libre jusqu'ici. Si on voit que c'est toujours pas complété en rouge, en bas à droite, là, le complété, ce qui signifie qu'il n'y a plus de mission qui pourra arriver, etc. C'est parce que si je ne dis pas de bêtises. Vérifie, hein, au cas où. Ah, quoique. Ah, quoique. Quoique. Ah, bah si, en fait, non. Il doit en manquer une, en fait, alors. Bizarre. Enfin, jusqu'ici, c'était la dernière mission en mode libre que je pouvais faire. C'est aussi la seule que j'ai filmée parce qu'au final c'est la, on va dire, enfin, j'ai un peu été pris de court en fait, vous m'entendrez pas parler parce que j'étais pas au courant qu'il y avait du texte, on va dire que c'était vraiment aussi animé que dans un épisode normal, on va dire, enfin, dans une mission. Et du coup, j'ai pas vraiment pu anticiper le truc. Mais bon, aujourd'hui, vous avez pu voir la dernière mission en mode libre. Attends, même lui, il me fait quelque chose de chambellant. Ah, vous pouvez voir, il y a plein de petits animaux, là. Les nouveaux. Les petits nouveaux, il y a... Beau bordel. Des piaf, etc. Des poiscailles, trucs qui font 3 mètres de long. Des lièvres. Maître, on m'a dit que vous avez terminé toutes les études que la commission vous avait confiées. C'est sensationnel, en tant que chambellan, je ne puis me réjouir d'avoir un maître aussi merveilleux. Merveilleux. Que les vents du nouveau monde nous vous mettent encore plus loin, maître. Mais oui, c'est gentil, petit chat. Et toi, t'as rien à me dire, là? Je suis sûr que non. Ouais. Non. Ok. Bon. Et voilà. Potentiellement, la fin du mode... libre. Et l'autre, là. Arrête de tourner. Bon, allez, à plus tout le monde.